Les enfants d'Israël. Bana Israël. Tu es l'agneau. Cette nuit-là, Dieu leur a dit, vous allez manger la chair. Mais ne brisez pas les os de l'agneau. Ne brisez pas les os. Parce que un agneau viendra. Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Parce que il est l'accomplissement de la promesse. Fait si. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Aujourd'hui, on va voir comment Jésus-Christ est-il appelé fils d'Abraham. Lelo tokomona pona nini Jésus-Christ abengami mwana mobali ya Abraham. La première fois on a dit mbala ya mbotoloba kete Jésus était appelé le fils de Dieu. Yesu abingama kimona mobali ya Nzambe. La deuxième fois, Mbalami bale, Jésus-Christ était appelé fils de l'homme. Yesu Kristo abingama ki mwana mobali ya moto. Et la troisième fois, Mbalami sato, Jésus-Christ est appelé fils de David. Yesu Kristo abingami mwana mobali ya Dawidi. Et aujourd'hui, Pelelo, la quatrième fois, Mbalami ne, on va vous démontrer tokotali sabino pourquoi Jésus pona nini Yesu est appelé fils d'Abraham. Abengami mwana mobali ya Abraham. Fils d'Abraham. Mwana ya Abraham. Pourquoi? Pona nini? Lisons la parole de Dieu. Totanga liloba na Nzambe. Matthieu 1, verset 1 ya liboso. Généalogie de Jésus-Christ. Bokitani ya Yesu Christo. Fils de David. Mwana mobali ya Dawidi. Fils d'Abraham. Mwana mobali ya Abrahama. Fils de David. Mwana Dawidi. Fils d'Abraham. Mwana Abraham. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Et pambolama, kombo na yo ebule kolo. Toi qui as conduit nos pas dans ta maison. Yo oyo okambi makolo na biso na ndako na yo. Il ne nous appartient pas de conduire nos pas. Ezali pona biso te tokamba makolo na biso. Mais c'est toi qui nous conduis. Kasi yonde okambaka biso. Et nous te sommes reconnaissants. Pe totondi obotondi. Parce que ce matin tu les as conduits dans ta maison. Pwete na tongo eye okambi yango na kati na ndako na yo. Et la joie aussi est la nôtre. Pe esengo e ali pe pona biso. Comme elle fit autrefois la joie de David. Lokola izalaka mbala mususu pona Dawidi. Quand il disait, tango banako loba, je suis dans la joie. Nazali na kat na sai. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Na tango baloba kananga ete tokende na kat na ndako nzambe. Voici le moment où toi tu nous parles. Talangonga wapi ozolobela biso. Parle à nos cœurs. Lobela mitema na biso. En sortant de ce lieu. Biso na kobimaka sikoyo. Que nous soyons réellement édifiés. To zala ya solo to bondisami. Et que toute la gloire te revienne. Et en kembo nyonso ezongela yo. Toi le vrai Dieu. Yo nzambe solo. Le tout. Maso. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le tout dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ. Parce que. Jésus-Christ. Parce que, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le sujet de notre adoration? Amen, 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 amen. Merci, mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner le message qu'une sœur vous a envoyé de, je crois, de Paris. Elle est à Paris. Nazo pesabino sango, onde konabiso moko avandi namboka Paris atinde libino. Il y a une sœur qui est à Paris. Elle a pris maintenant l'habitude de suivre toutes les prédications. Elle a toutes les prédications que vous avez. Alors voici ce qu'elle m'a dit de vous dire. Elle m'a dit ceci. Depuis que je te suis, apôtre, ma façon de
comprendre Dieu a changé. Lolenge nanga ya kososo la nzambe ebongwami. Il dit avant j'avais fait de Jésus un nganga. Il liboso alobi etse ngana salaka Yesu na komisaka lokola nganga. C'est-à-dire si j'allais auprès de Jésus, je ne faisais que demander. Soki na kei e pa na Yesu. Mais depuis que je t'ai suivi, j'ai compris que il faut d'abord connaître Jésus. Est-ce que vous avez compris? Amen. Bon, voici maintenant ce qu'il a dit, ce qui vous concerne. Elle a dit, je viendrai à Kinshasa. Le jour où je viendrai à Kinshasa, je viendrai dans votre église. Et je vais demander que tu me donnes le micro. Je vais dire une parole à l'église. Voici ce que je vais dire à ton église. Est-ce que cette église, l'église sait que toi tu es un don pour eux? Est-ce que Ekeleza bisika yo ozali? Est-ce que bayebi ete yo ozali kabopo na bango? Et il a dit si dans ton église, pe alobi ete soko na Ekeleza na yo, les gens ratent l'enlèvement, bato bako rataka, si les gens de ton église ratent l'enlèvement, soki bato Ekeleza na yo ba rate konetoma, je vais demander la permission à Dieu. Na kosenga nzela epa na Nzambe. On va prendre des chicottes. On viendra frapper tous ceux qui ont raté l'enlèvement dans ton église. Elle dit parce que t'écoutais. Si quelqu'un rate l'enlèvement, ce qui moto a raté konetoma, il faut qu'on le punisse. Là, c'est cette sœur là qui m'avait dit, je crois. Je lui avais passé le frère Olivier. Maloba oyo ezali andeko mwasi oyo alobaki na ngai na banda na pasaki epende ko Olivier. Je dis que ce frère puisse t'écouter. Na yebise ke bandela maloba wana ndeko mobali oyo ayoka yo. Elle a répété, le frère Olivier l'avait écouté. Pe azongela ki maloba wana ndeko Olivier. Voilà quelqu'un qui me suit de très loin. Tala mutu oyo azolandanga na musika. Comment lui comprend les choses de Dieu? Lolenge kangi azososola makambo ya Nzambe. Mais vous qui êtes là, kasibina obo vandia, est-ce que vous comprenez les choses comme elle? Est-ce que bozososola makambo lolenge moko na ye? Jésus le fils d'Abraham. Yesu mwana Abrahama. Suivez-moi. Bolandanga. Vous avez la possibilité de me poser la question. Bozali na possibilité ya kotuna motuna. Si je dis des choses que tu ne comprends pas, tu te soulèves la main, tu me poses la question. Soki ososolite likambo na lobi otomboli mosafi otuni motuna. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bande konanga ya mibali ya basikat na kolo. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. A appelé Jésus, et benga Yesu, le fils de Dieu. Mwana Nzambe. A appelé Jésus, et benga Yesu, le fils de l'homme. Mwana moto. A appelé Jésus, et benga Yesu, le fils de David. Mwana mobali ya Dawidi. Et aussi le fils d'Abraham. Pe mwana ya Abalayama. Pourquoi Jésus est appelé le fils d'Abraham? Bona nini Yesu abengami mwana mobali ya Abraham. Voici comment les choses ont commencé. Botala lolenge kany makambo ebandaki. Quand l'homme était en Eden, rentrons au commencement avec l'homme. En Eden, l'homme Adam avec sa femme Ève, il vivait paisiblement jusqu'au jour où le péché est entré dans la femme. Le péché était entré dans la femme. Je précise, dans la femme, non pas dans l'homme. La femme avait péché, l'homme n'avait pas péché. Mais l'homme, lui, l'homme Adam, Mobali Adam, il a porté le péché de la femme. Je reprends. Adam, lui, Adam, yé, selon la parole, maliloba, si vous lisez l'apôtre Paul, ce qui otangi Thomas Paul dans Timothée, na mokanda Timothée, il dit alobiete, c'est la femme
moi Sindé qui avait péché Asumukaki. L'homme lui Mobalié n'avait pas péché Asumukaki na yete. Toutes ces choses là Makambo onyonso ça cachait et bombaki des choses à venir Makambo esengeleke ya lobi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La femme Ève avait péché. Moi si Ève Asumukaki. Et l'homme Adam pe Mobali Adamo a le péché de la femme, il a porté cela. De la même manière, plus tard, toujours dans la même lignée, ou de la même manière, plus tard, je suis en train de vous dire que en réalité, c'est la femme qui pêche. L'homme ne pêche pas. Quand la femme pêche, l'homme maintenant vient, il porte le péché de la femme. C'est ça que je vais vous expliquer. Alors la femme Ève, moi si Ève avait péché, Yasumukaki. L'homme Adam, Mobali Adamu, il est venu. Ayaki. Il a porté le péché de sa femme. Amemaki le sumu ya mwasi na ye. Pourquoi? Parce que l'homme Adam, et ali pote Mobali Adamu, ne voulait pas alinga kiteke que Dieu vienne et Nzamba ya et tue la femme. Abo ma mwasi. Si Dieu tuait la femme, so ki Nzamba abo ma mwasi, et lui il va rester comment? Ye alinga kiteke la lenge kani. C'est pourquoi l'homme na yango tina moto responsable wazala ki na makoki responsable Mobali wazala makoki. Il a pris la décision azwaki mokano de porter le péché de la femme. Ya comme malissimo moi. Maintenant la preuve. Kotali sa preuve ezali. Que l'homme porte le péché de la femme. Et te mobali ya memakalissimo moi. L'homme est resté nu. Mobali atikala ki bolumbu. Quand Dieu est venu, tango nzamba yaki. Il a posé la question, tu es où? Atuni motuna uzawapi. L'homme a dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mobali alobi te na yoki mongongo na yo na bombami. Parce que je suis nu. Po te na li bolumbu. Première partie. Etenya yamboyo. Deuxième partie. Etenya mibale. Une deuxième femme avait péché. Moi si ami balé pas sumukaki. Il y a une femme aussi qui avait péché. Ezana moi si moko pas sumukaki. Là nous sommes en Égypte. Awa to na kati ya mboka Égypte. Il y a une femme qui avait péché. Ezana moi si moko sumukaki. C'est la femme de Potiphar. Ali moi si a Potiphar. C'est elle qui avait péché. Yena sumukaki. C'est elle qui avait envié Joseph. Yende alula ki Joseph. Elle est tombée dans l'adultère. Akoyaki na kati na ekobo. Anema Joseph. Na kolinga ka Joseph. Mais Joseph lui. Kasi Joseph ye. Il n'avait pas péché. Mais c'est la femme qui avait péché. Mais lorsque les gens sont venus, quand les gens sont venus, ils ont trouvé que l'homme Joseph était nu. Mais la femme, elle avait des vêtements. Donc l'homme Joseph, qui n'avait pas péché, il a porté le péché de la femme de Potiphar. Et Joseph est parti en prison comme un innocent à cause du péché que la femme avait commis. De la même manière, plus tard maintenant, afin que les choses s'accomplissent, toi la femme, toi la femme, tu avais péché. Jésus-Christ l'homme, il est venu, il a porté tes péchés et il est resté nu à la croix afin d'accomplir ce que Adam avait fait, ce que Joseph avait fait. Voilà pourquoi tu dois aimer Jésus. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant envers Jésus. Lui qui était innocent, lui qui n'avait jamais commis de péché, mais il a accepté de porter tes péchés et de rester nu afin que toi tu puisses être couvert. Que tu sois revêtu. Ainsi la parole dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. En Éden, quand le péché est entré, Dieu a chassé l'homme et la femme. Ils sont sortis. Mais avant de sortir, là nous sommes dans Genèse 3. Avant de sortir,
Écoute ce que Dieu dit. Quand il est venu, il a posé la question à la femme. Pourquoi tu manges le fruit? La femme a dit c'est le serpent. Alors, après toutes ces choses, au verset 15, Dieu dit ceci. Maintenant, Dieu s'adresse. Dieu s'adresse à la femme et au serpent. En fait, donc, c'est-à-dire au diable. Dieu dira. La postérité de la femme. Frère, tu écris ce terme-là. Le terme seulement, le mot là. La postérité de la femme. T'écrasera la tête. Et tu vas le mordre au talon. C'est la première fois que ce mot-là est sorti depuis la création. Le mot postérité. C'est la première fois que ce mot-là a été prononcé. C'est quand Dieu s'adressait à la femme. Il dit la ta postérité. C'est-à-dire, c'est lui qui sortira de toi. Écrasera la tête du serpent. La postérité. Kitani. De la femme. Yamwasi. Écrasera. Ekopanza. La tête du serpent. Mutu yanyoka. Dieu les a chassés. L'homme et la femme sont sortis. De cette union-là, est né Caïn. Et Kaina. Caïn est le fils Azali mwana mobali de Adam et Ève. Il y a Adam na Ève. Jamais Caïn n'a été le fils du serpent et de Ève. Ça Adam n'existe pas. Kaina atikala kozalate mwana ya nyoka na Eve. Jamais le serpent n'avait fait des rapports sexuels avec Eve. Ça n'existe pas. Atamukete nyoka atikala kosangisa nzoto na mwasi Eve ezalakate. Le serpent était un animal. Nyoka azalaki de nyama. Il ne pouvait pas faire des rapports sexuels avec une femme, non. Akoka kite kosangisa nzoto na mwasi to na moto. C'est un faux enseignement. Ezali mateya ya lokuta. Et je vous avais toujours dit. Pe na yebisa kabino tango nyonso. S'il y a un esprit qui combat tous les prophètes dans le monde, c'est l'esprit du mensonge. Soki ezali na molimo, oezo bungisa basakoli nyonso na mokili. Ezali lokuta. Tous les prophètes, qu'ils soient blancs ou noirs. Basakoli nyonso bazala mindele ya mbindo. Sans exception. Kolongola ta mokote. Je dis sans exception. Na lobiete kolongola ta mosakoli mokote. Tous. Leur premier péché, c'est le mensonge. Et Ali Lokuta. Le seul esprit, le premier esprit qui attaque les prophètes, c'est l'esprit du mensonge. C'est dans la parole de Dieu. Et si vous me comprenez, donc ne croyez jamais. Ne croyez jamais. Un tel enseignement. L'itéya ya boye. C'est un faux enseignement. Ezali litea ya mabeto lokuta. Croire à un tel enseignement. Kondimela na litea ya boye. Si tu crois un tel enseignement. Soki ondimi na litea ya boye. C'est écrire volontairement son nom sur la liste de l'enfer. Ezali kokoma kombo na yo na libanzo nyonso. Volontairement et consciemment. Na libanzo nyonso pe ozo linga yango na kati na lifelo. Ça allait tout droit en enfer. Kokende tout droit na lifelo. Regarde, Dieu c'est un Dieu de principes. Il y a des principes que Dieu a établis. Ça resterait comme ça de la création jusqu'au jour où il va détruire la terre. Ça ne va pas changer. Quels sont ces principes? Le principe c'est quoi? Quand l'homme se marie avec la femme, ils auront des enfants. Amen. Et si vous comprenez le principe, amen. C'est ça le principe, ça reste comme ça. Le principe, c'est quoi? C'est si
Les animaux s'accouplent. Ce qui va nyamami balé, va s'accoupler. Ça va donner des animaux. Ba copé ça peut espèce ka ya banyama. C'est clair. Il y a pas changé. C'est le principe. Ezali mwango. Quel que soit ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ezala nyonso boko sala lelo. Aujourd'hui on a autorisé un homme peut se marier avec un homme. Lelo ba pesi nzela mobali akobala na mobali. L'homme se marie avec l'homme. Mobali abala nyina mobali okoye. Ils n'auront jamais des enfants. Amen. Ba kotika la te ko. Jamais. Ata mukete. Parce que ce n'est pas dans les principes établi par Dieu. Ezali pona nini pote yango ezana kat na mwango te onza mbatia. Il y a des principes, ça ne changera jamais. Ezali na miango o ekotika la kata ata mukeko bona. Si tu donnes une révélation. Ce qui opesi emoniseli. Tu dis que c'est une révélation. O lebi etezali emoniseli. Mais ça change le principe. Kasi yango e bongoli mwango nzambe. Le principe écrit dans la parole. Mwango nzambe e komami na kata liloba. C'est que ta révélation elle est fausse. Elinyo loba ete emoniseli na eza ya mabeto alokuta. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez. Botala. Jésus un jour, Jésus, il a dit aux enfants d'Israël, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire, cela veut dire que le diable est venu coucher avec une femme, ils ont eu des enfants d'Israël. Et l'apôtre Paul, Thomas Paul, le jour où il était devant Elimas. Quand Elimas envoûtait le proconsul. Qui c'est? Paul a dit. Paul a l'obaki. Fils du diable. Moi na Satana. Est-ce que cela veut dire que Elimas est venu de l'accouplement entre l'homme et la le diable et la femme? Est-ce que maloba o elinyo loba ete Elimas awuti na kosangisa nzoto ya Satana na mwasi? Non, quand on appelle quelqu'un fils du diable, cela ne veut pas dire que c'est biologiquement il vient de Satan. Non, c'est un fils spirituel. Donc il a la semence spirituelle. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Dieu est venu donner la semence à ma mère et on m'a eu. Mais soyons sérieux, non? La série. Le principe reste le principe. L'un d'eux a chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Quand l'inspiration vient, ça fait dresser les cheveux. L'inspiration, quand ça vient, si l'inspiration contredit la parole, elle est diabolique. Alobi ete inspiration ezali mokili ya Nzambe tango eyaka ematisaka basuki ya mutu soki ezali ko contredit lo banzambe te ezali ya satana. Inspiration qui contredit ce qui est écrit. Inspiration nyonso ezo telemela liloba oyo ekomami. Qui va à l'encontre de ce qui est écrit. Oyo ezo telemela oyo ekomami na Biblia. C'est diabolique. Ezali ya satana. Ça ne vient jamais de Dieu. Ewuti epa na Nzambe soko mukete. Tout serviteur de Dieu. Basali nyonso nzambe to musa nyonso. Qu'il soit grand, noir, blanc. Azala ya monene moke pembe moindo. S'il dit des choses. Ce qui a lobi makambo. Qui contredit la parole. Oezo tele melali lo banzambe. Lui. Ye. Il est du diable. Azali ya satana. La femme, l'homme et la femme sont chassés. Mobali na mwasi babengani bango. Ils sont partis. Bakenda. Dans l'état du péché. Nakati na kozala kana lisumu. Dans cet état-là, Nakati na lolenge wana, ils ont eu leur premier fils. Babotaka mwana na bango ya mobali ya liboso. Qui est Caïn. Oui, ayazali Kaina. D'ailleurs, Kutu, les déclarations de la femme. Maloba ya mwasi. Quand elle avait eu Caïn. Tangwa abotaki Kaina. La femme a parlé. Mwasi alobaka. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Après ça, ils ont eu Abel. Nasimana oyo babotaki pe Abel. Caïn a tué Abel. Kaina abomaki Abel. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et dit, mais c'est une sœur, hein, c'est une sœur. Et dit, mais est-ce que tu as vu, on a cité dans la parole, la postérité d'Abel. Tala na Biblia, batangi kitanya Abel. Mais on n'a pas cité la postérité
de Caïn. Tasi kitani ya Caïn abatangi ya moi je dis mais vous vous avez les yeux aveuglés ou quoi? Vous n'avez jamais vu la postérité de Caïn dans la parole. Mais les mecs. Et suivez, les mecs. Il y a un certain les mecs. Le premier polygame sur la terre. Mobali, celui qui a eu deux femmes. Oya, zua, la première personne. Yambo, la yambo. Première. Yambo. Sur la terre, na mabele, oh, il y avait eu deux femmes. Oh, ya, bala basi mi bale. Mais c'est le fils de Caïn. Azali mwana mobali ya ya Caïna. Vous n'avez jamais lu ça. Botika la otanga ngote. Vous n'avez jamais lu ça. Botika la otanga ngote. Mais celui qui a commencé la musique. Oh, yo abanda pe kola. La musique. Musique. La musique. Koyemba. C'est mais c'est le fils de Caïn. Azali pe mwana to kitanya Caïna. C'est écrit noir et blanc. Et comment mi? Mais comment vous voulez chercher la postérité de Caïn? Lolenge kanye bolingi boluka kitanya Caïna. Elle est là. Ezali wana. Mais elle avait pris fin. Kasi esukaki. Le jour du déluge. Mokolo ya mbula munene. Toute la postérité physique de Caïn. Kitani nyonso ya bomoto bo ya Caïna. Toute la postérité physique. Kitani nyonso ya Caïna. A pris fin au jour du déluge. Et sukaka mokolo yamvula munene. Personne n'avait traversé le déluge. Motomo kote akatsa kamvula oya munene. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais elle a vécu. Kasi ezalaka. Elle était là. Ezalaka wana. Il ne faut pas dire que Caïn n'a jamais eu de postérité. Bolo bate ke Caïn atika la kozana bakitanite. Elle était là. Ezalaki. Mais ça s'est arrêté au jour du déluge. Kasi esukaki mokolo yamvula munene. N'avait traversé le déluge. Oh yo, akatsaki délige tombola mwen. C'était que Noé avec ses fils. Ezali kaka Noé na bana na ya mibali. Alors, l'un des fils de Noé. Na boye moko ya bana mibali ya Noé. Par la malédiction sortie de la bouche de Noé. Nanzela ya elakeli mabe oye bimaki na monoko ya Noé. Il a maintenant reproduit spirituellement la postérité de Caïn. Ayaki kobota sikoyo na ndenge ya molimo kitanya Caïn. Dans le spirituel. Na ndenge ya molimo. Non plus dans le physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'homme est chassé du jardin. C'est en dehors du jardin. Qu'il a eu des enfants. Mais tous les enfants de l'homme. Si. Étaient dans le péché comme l'homme. Comme leur père. L'humanité était remplie. Et la parole dit. Le péché. Avait aussi rempli toute la terre. À cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Ça s'est révolté devant Dieu. Et le cœur de l'homme médite toujours le mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dans sa colère, il a tué le monde avec de l'eau. Il n'a sauvé qu'une seule personne. Voici là où est venu l'écriture qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui avait cru, ce n'était pas le fils de Noé, c'était Noé seul. Mais quand Dieu sauve, il n'a pas sauvé Noé seul, mais il a sauvé la famille de Noé. Mais sauver ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a sauvé Noé. Noé est entré dans l'arche. Il a passé des jours là-bas. Il a pris des animaux. Selon que Dieu lui avait recommandé. Mais je vous pose la question. Qui avait amené tous ces animaux dans l'arche? Nani amemaka nakati na masua banyama onyonso? Est-ce que Noé lui il était parti même dans la brousse chercher les animaux les amener? Est-ce que Noé akendaka na zamba
koluka banyama nyonso amemi bango. Est-ce que vous comprenez la question? Je ne le crois pas. Nabandite. Je ne le crois pas. Nandimi yangote. Que Noé l'a fait. Et Noé sala yango. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Ta sedan mutu moko sala yango. À la place de Noé. Na esika Noé. Parce que lui il sait. Pote ya yebi. Où se cachaient tous les animaux. Bi pai wapi banyama nyonso babata mati. Il a dit à Noé. A yebi si Noé. Fais entrer. Kotisa. Dans l'arche. Nakati na masua. Les animaux. Banyama. Pur. Ya petwa. Et impur. Pe oyo ezali mbindo. Noé les a fait entrer. Noé kotisa bango. Noé. Ici, faites attention. Quand Noé est entré, ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. Retenez cela très bien. Noé n'a jamais fermé l'arche. Parce que tu peux te dire, comme Noé était entré, il a fermé l'arche. Non, l'arche n'a pas été fermée à partir de l'intérieur. Non. On a fermé l'arche dehors. Celui qui a fermé l'arche, il est parti avec la clé. Pourquoi? Pour empêcher Noé d'ouvrir quand les gens viendront. Ainsi s'accomplira l'écriture qui dit quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Noé est resté dans l'arche. Mais chose curieuse ici, je dis ça en passant. Dans l'arche, Noé a fait sortir les corbeaux. Noé a mis six corbeaux pour voir si les eaux avaient diminué. Et qui t'a qu'un amokili. Les corbeaux sont sortis. Les corbeaux sont revenus. Mais au lieu de faire retourner encore les corbeaux, na esika a zongi sa sous corbeau. Noé a fait sortir la colombe. Noé a mis six ndeke na ebenge. Il a pris la colombe. Asi colombe. Il l'a libéré. A fongoli a kei. La colombe est partie. Colombe est kei. La colombe est revenue. Colombe est zongi. 7 jours après, il a pris encore la colombe. Il l'a fait sortir. Pour une deuxième fois, la colombe est partie. La colombe est revenue. Là, c'est la deuxième fois. Il a attendu encore 7 jours. Il a fait sortir la colombe. Quatrième fois. Et cette troisième fois, quand la colombe est sortie, la colombe n'est plus revenue dans l'arche jusqu'aujourd'hui. Mais moi je sais là où la colombe est partie. Et je sais le jour où la colombe va rentrer. Dieu nous a enseigné toutes ces choses. Vous voulez que je vous les donne? Vous voulez que je vous explique? Non, aujourd'hui c'est le fils d'Abraham. Le jour où Dieu fera grâce, on va vous parler des trois sorties de la colombe. Des trois sorties de la colombe. Des trois femmes païennes. Des trois visiteurs chez Abraham. Ma visiteur Missa, tu n'es pas Abraham. On va vous parler encore de quoi? De trois choses. Yabilo Missa, de quoi encore? Natina Nini Susu. De trois jours. Mikolo Missa, de trois personnes. Bato Missa, tu. Dans la fournaise du feu. Nakatina Moto Munene. De trois. On va vous parler de toutes ces, de tous ces trois-là. Mais aujourd'hui, c'est le fils d'Abraham. Abraham. Après le déluge, Noé est sorti. Noé et ceux qui ont rempli la terre, ce sont les trois fils de Noé. Maintenant, l'un des fils de Noé, appelé Sem, c'est de lui qu'est sorti un homme appelé Abraham. Là, Dieu ne parle plus à personne. Dieu a arrêté
de parler que à Noé. Nzambe asukisa na koloba na bato et pas na Noé. Quand Noé est mort, Dieu n'a plus parlé à personne. Nzambe tikala koloba ya susu na mutu. Dieu est resté dans son coin. Nzambe tikali na ngambo na ye. Les hommes sont restés sur la terre. Bato batikali na mabele. Mais jusqu'au jour kina makolo oyo, où Dieu s'est décidé de chercher un homme sur la terre, na mabele, il a regardé. Atali. Il dit, mais regardez, là Dieu est au ciel. Il s'est dit, Amilobi, mais je suis en train de laisser cette terre. Nazo tika mabele oyo. Les hommes sont en train de mourir. Bato bazo kufaka. Je dois faire quelque chose. Moko. Je dois faire quelque chose. Moko. Qu'est-ce que je dois faire? Nako nini. Là il est au ciel. Lola. Il s'est dit, bon, Amilobi, je dois chercher un homme. Nako luka motumoko. Sur la terre. Namabele. Cette personne là. Motuana. Je vais lui donner la promesse. Nako pese laka. La promesse elaka. De sauver l'homme. Yakobi kisamoto. Je vais lui donner un homme. Nako. Alors Dieu est descendu en Mésopotamie, là-bas au Moyen-Orient. Il a cherché un homme. Cet homme-là, il était pécheur, comme tout le monde, idolâtre, comme tout le monde. Mais Dieu a voulu parler à cet homme-là. Il a appelé Abraham. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Va dans le pays où je te dirai. Je ferai de toi une grande personne. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Seront bénies. Dans ta postérité. Dieu revient. Dieu revient. Avec le mot. Qu'il avait sorti en Éden. Le jour où il a parlé à la femme. Il a dit à la femme. Ta postérité. Écrasera la tête de serpent. C'est-à-dire là il disait. Que cet homme-là. Qui va combattre le diable. Il va naître d'une femme. Mais maintenant il fallait chercher un homme. Il viendra de quel homme? Tu es parti voir Abraham. Il dit, toi Abraham, de toi sortira un homme. Il s'appellera la postérité. C'est lui qui va sauver le monde du péché. C'est la promesse que Dieu a donné à Abraham. Abraham a vécu. Abraham a oumela. Il est mort. Akufa. Cette promesse a été transmise à Isaac. Isaac est mort. Isaac tourna ya kufa. On a transmis ba pesa à Jacob. Jacob lui, Jacob, ye, il a donné cela à, pesa yango, à son quatrième fils ya mwana na ya mobali ya mine, qui est Juda. Na Yuda. Il dit de toi na yo, cet homme-là, motowana, la postérité, kitani, il sortira de toi. Akobima epa na yo. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout, jusque-là, kinowana, ce n'était qu'une promesse. Et ça, kaka, frère, elaka, frère de komobali, la postérité elaka, à Abraham. Et pas Abraham est appelé et Benjamin la promesse. L'élaka. Tu fais flèche chez Abraham. Et pas Abraham. Elle est appelée et Benjamin la promesse. Elaka. Alors Naboye. Cette promesse elaka wana qui est la postérité. Oui, Zali Kitani. Qui marchait maintenant de génération en génération. Au milieu des fils d'Israël. Nakati na bana mibali ya Israël. Dans la tribu de Juda. Nakati na libota Yuda. Un jour. Mokolo moko. La promesse. Et la ka. Appelait la postérité. Et Benjamin na kombo akitani. A pris la chair. Et la taki nzoto. Dans le sein de Marie. Nakat na libu ma Maria. Marie l'a fait sortir. Maria bimisa yango. La promesse. Et laka. Appelé la postérité. Et Benjamin na komba kitani. A vécu. Et vanda. Parmi les enfants d'Israël. Nakat ya bana Israël. À peu près 33 ans. Nakat na bambula tuk misatu na misatu. La postérité. Kitani. A vécu parmi les hommes. Et vanda nakat na batu. Jusque là. Kinowana. Elle n'était qu'une promesse. Et zalaki nangoka elaka. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
Elle a prêché la parole. Et ali loba na nzambe. Le royaume de Dieu est proche. Bokondi na nzambe komi pene. Le royaume de Dieu, non, celui qui a dit le royaume de Dieu est proche, c'est Jean-Baptiste. Yohani Mobatisi nde alobaki maloba oyo. Mais lui il a dit, kasi alobaki, le royaume de Dieu est venu vers vous. Bokondi na nzambe eye epana bino. Repentez-vous. Bobongola mitema. Croyez à celui que Dieu a envoyé. Bondi melana mutu onza matindi. Alors il a prêché Ateya. La postérité d'Abraham. Kitania Abraham. Appelez la promesse. Et Benjamin a combattu la. Elle a pris la chair. Elle a tanzoto. Le sang. Makila. Elle a vécu parmi des hommes. Et vanana katnabato. Un jour. Mokolo moko. On a arrêté. Bakanga. La postérité. Kitani. Faite chair. Et salamakinzoto. On l'a amené. Bamema. Chez Caïphe. Et pas à Caïphe. Chez Anne. Et pas à Anna. Chez Hérode. Et pas à Hérode. Chez Pilate. Et pas à Pilate. 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 L'a frappé par ses soldats. Oh, Pilate l'a remis chez le peuple. Le peuple est parti le crucifier. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé. Lorsqu'ils arrivent à la montagne, suivez. Lorsqu'ils arrivent à la montagne, les soldats, soda, les quatre soldats, ba soda mine, sont venus, ba ye, lui ont enlevé le vêtement qu'il portait. Ba longolie elamba wala tati. Tout le vêtement. Bilamba nyonso. Ils ont déposé ça. Ba tia kiango na mupanzi. Ils se sont dit, comme nous sommes quatre, prenons le vêtement. Partageons. Ils se sont partagés le vêtement en quatre parties. Est-ce que vous me comprenez? Quand ils partageaient le vêtement, il y avait la tunique qui était restée. Appelé la tunique. Na komba tunique. Les soldats se sont dit, ba soda ba milo biete, ne déchirons pas ça. To passe la tête tunique oyo. Mais tirons sort. Kasi, to beta sort. Mbese. To beta mbese. On va voir qui va prendre la tunique. To kota la nanya kozwa tunique oyo. Ils ont tiré sort. Ba beta ki mbese. Un soldat a pris la tunique. Soda moko azwaki tunique wana. Écoutez maintenant ce que dit la parole. Si les soldats ont partagé ce vêtement, ont pris la tunique, ont donné à une seule personne, c'est pour que la parole, l'écriture puisse s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le partage de vêtements, c'était pour accomplir la parole, les écritures qui avaient été annoncées. Après cela, on l'a cloué à la croix. Il était à la croix. Suivez-moi. Il a dit, j'ai soif. On lui a amené le vinaigre. Vinaigre. La parole dit, c'est là, c'est pour accomplir les écritures. C'est-à-dire, c'est pour accomplir la promesse. C'est-à-dire, c'est pour accomplir la prophétie qui était annoncée sur lui. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a accomplie. Il est écrit, la prophétie, attendez-la, même si elle tarde, elle finira par faire quoi? Par faire quoi? S'accomplir. Dieu n'accomplit que la prophétie qui avait été annoncée avant. Nzambe akokisa kaka lisakoli oyo esakola maki. Donc ici quand on dit awa tango bazoloba que c'est pour accomplir
accomplir ce qui avait été écrit. Oye, komamaki. Ce qui était écrit là. Oye, komamaki wana. Comme ça vient avant. Lokola eyaki liboso. C'est la prophétie. Ezali ndeli sakoli. Quand on lui donne de l'eau, le vinaigre, c'était pour accomplir la prophétie qu'on avait écrite. Et c'est vous me comprenez? Amen. Regardez encore. Pendant qu'il est à la croix, il est mort. Parce que lui, il est mort avant. Avant les deux voisins. Yambo, babrigami balé obakufa. Il avait deux voisins. Les voisins de gauche et de droite. Lui, il est mort avant eux. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous amener pour vous expliquer, vous faire comprendre pourquoi Jésus est appelé fils d'Abraham. Toute cette démarche que je suis en train de faire, c'est pour vous conduire à vous expliquer clairement comment Jésus, pourquoi Jésus est appelé fils d'Abraham. Regardez, il est mort à la croix avant ses voisins. Lui, il est mort. C'est des voisins qui étaient des brigands. Ils étaient encore vivants. Les soldats sont venus. Un soldat est venu. Ils ont brisé le pied. Moi j'ai dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. Les soldats sont venus. Ils sont partis chez le premier brigand. Ils ont cassé ses pieds. Ils ont sauté Jésus qui est au milieu. Mes frères et sœurs. Regardez. Soyons des hommes. Soyons des hommes. Hein? C'est-à-dire que nos têtes fonctionnent. La logique. Si on a comprenons que les soldats avaient commencé chez le brigand du gauche, d'accord? Ce qui soda abandaki et pas na moyibi yalo kwa mwasi. Il a cassé le pied du brigand de gauche. Abuki makolo ya soda o yalo kwa mwasi. Qui était à gauche de Jésus? Wazalaki na lobo kwa mwasi ya Yesu. S'il avait commencé là-bas. Ce qui abandelaka kuna. Bon, dans la logique. Nandenga makambo. Avant d'atteindre l'autre brigand de l'autre côté. La logique c'est quoi? La suite logique c'est quoi? Il fallait d'abord passer par le suivant et puis l'après. Mais ce qui est étonnant, les soldats cassaient le pied du premier brigand. Donc la chair ici c'est Jésus. Chair oyo ndaki sezali Yesu. On a cassé celui qui était ici. Babuki mikuwa ya oyazalaki na loboko mwasi. Les soldats ont passé celui qui est au milieu. Soda aleki muto katikati. Il est venu de l'autre côté. Ayena ngamu mususu. Il a cassé le pied. Abuki makolo ya soda wana. Du brigand. Ya muyibi. Donc les soldats. Soda a cassé. Abuki le pied. Makolo. Des deux brigands. Ya ba miyibi oni balé. Maintenant, il vient au troisième. Ayesi koyo na mutamisatu. Qui est Jésus? Oazali Yesu. Au milieu. Na katikati. Il a trouvé déjà mort. Akuti Yesu akufi. Suivez-moi très bien. Bolandanga malamu. Il a trouvé déjà mort. Akuti Yesu akufi. Il est radis. Ayebisi bango. Il est déjà mort. Si akufi. Alors les soldats là. Soda wana. Au lieu de casser les pieds. Na esika abuka makolo. Il ne l'a pas fait. Là nous sommes dans Jean 19. Au lieu de casser les pieds de Jésus, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui fait maintenant? À la place de casser les pieds, il prend la lance, il perce du côté droite de Jésus. Mes frères et sœurs, vous croyez que
que c'était Nazar. Que les choses se sont faites comme ça. Non. Regardez maintenant. La parole de Dieu dit ceci. Suivez-moi très bien maintenant. On n'a pas cassé le pied de Jésus. Pourquoi? La parole dit. C'est pour accomplir ce qui était écrit. Qu'est-ce qui était écrit? C'est-à-dire la prophétie. Mais quelle prophétie c'était écrit où qu'on ne pouvait pas casser le pied de Jésus. C'était écrit où pour voir cela. Là où on a écrit cette prophétie qu'on va pas casser le pied de Jésus, il faut aller dans Exode. Si vous partez dans Exode 12, les jours où les enfants d'Israël tu es l'agneau. Cette nuit-là, Dieu leur a dit, vous allez manger la chair. Mais ne brisez pas les os de l'agneau. Ne brisez pas les os. Parce que un agneau viendra. Cet agneau ici, il y a un véritable qui viendra. L'agneau de cette nuit délivre Israël de la maison de l'Égypte, de la maison de la servitude. Mais il y a un autre agneau, le véritable, solo, quand il viendra pour sauver toute l'humanité, son pied, ses os, il ne va pas casser cela. C'était cette écriture là est-ce que vous me comprenez? Jésus, Jésus est appelé fils d'Abraham. Là, il est à la croix. Je vous ai parlé de ses vêtements. On les a partagés. La tunique donnée à une personne pour accomplir la prophétie qui avait été annoncée. Celle-là, c'est David qui l'avait annoncée. Quand il avait soif, on lui a donné le vinaigre. Il est dit que c'était pour accomplir la prophétie, ce qui avait été annoncé avant. Quand on n'a pas brisé ses os, on a dit c'est pour accomplir la prophétie qui avait été écrite. Suivez-moi. Mais regardez, avant de mourir, il a lâché la bombe. La dernière parole, pendant qu'il est cloué. Suivez-moi. La dernière phrase, c'est dans Jean 19:30. Quand il voulait rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Quand il disait, tout est accompli, c'est tout ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Dans cette phrase là, dans cette promesse là, dans ces mots là, la postérité s'est cachée aussi la mort à la croix. Maintenant, quand il est à la croix, il veut rendre l'âme. Il dit maintenant, la chose qu'on a annoncée à Abraham s'est accomplie maintenant. Donc là, je peux bien mourir parce que j'ai tout accompli. Sa naissance a été annoncée. Ça s'est accompli.
Ces souffrances étaient annoncées par la prophétie de Jérémie. Ça s'est accompli. Sa mort à la croix était annoncée par la prophétie. Ça s'est accompli. Tout ce qu'on a dit sur lui s'est accompli à la croix. Jésus-Christ est le fils d'Abraham parce que il est l'accomplissement de la prophétie. Jésus est le fils d'Abraham. Parce qu'il est l'accomplissement de la prophétie. Toute la prophétie annoncée avant sa venue s'est accompli en lui. Voilà pourquoi il est le fils d'Abraham. Ainsi il est écrit: tous ceux qui sont en Jésus sont appelés postérité d'Abraham. Et si encore il est écrit que par sa mort la bénédiction d'Abraham s'est accomplie chez le païen. Si aujourd'hui nous sommes bénis dans la bénédiction d'Abraham, c'est parce que tout s'est accompli en Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et se tenir? WWW